Salut à tous, c'est Pan. On se retrouve sur une nouvelle découverte de Pan. Donc cette vidéo, comme le titre vous l'indique, ce sera une découverte sur la mise à jour qui a eu lieu le 17 octobre 2017. Donc j'ai un peu de retard parce que j'ai seulement découvert la mise à jour, vu que je n'ai pas lancé mon jeu entre-temps. Du coup, elle est un peu en retard par rapport à certaines vidéos, mais j'espère quand même que ça vous fera plaisir que je la sorte. Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'elle apporte, parce que là, seulement que je lance le jeu, donc je ne me suis pas spoilerée du tout, donc je vais vraiment tout découvrir avec vous. Alors, ce que je peux en dire déjà, ce que je sais, c'est que c'est une mise à jour qui concerne une fête indienne, la fête Diwali. En fait, c'est une fête lumineuse pour la prophétesse de la richesse, de la prospérité, etc. Donc, et elle a été rajoutée via le pack... via le pack des fêtes de fin d'année. C'est un pack qu'on a eu gratuit il y a 2 ans d'ici par par EA Games, donc on peut le télécharger gratuitement. L'année passée, on a eu déjà une extension sur ce pack, donc ça nous a ramené quelques objets assez sympathiques aussi. Et donc apparemment, cette année, ils ont décidé d'augmenter encore ce pack. Si vous ne l'avez pas encore ce pack, vous n'aurez pas les objets de cette mise à jour. Mais je vous invite fortement à aller sur Origin et à le télécharger, vu que il est gratuit et qu'il est pas mal comme pack pour faire des petites fêtes de Noël et pas que. Et pas que, j'ai envie de dire, parce qu'avec ce qu'on a eu en fin d'année, de l'année passée, on peut faire un peu des fêtes musulmanes, ou ici, la fête Diwali, qui est pas mal non plus pour tous ceux qui ont des origines hindoues et tout ça. Donc je trouve ça cool. Donc je suis déjà en mode que... Non, je suis en mode construction, je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais filtrer les éléments via ce pack. Vu que je sais déjà ce qu'il y avait avant, je vais pouvoir voir directement ce que ça a apporté. Donc ça, on l'a eu l'année passée. Ça aussi, ça aussi. Ça, je sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, donc c'est pas ça. Ça non plus, ça non plus, ça c'était déjà... Alors, on a déjà ce tapis ici pour commencer. Encore un autre tapis. Encore un tapis. Ça, on l'a eu l'année passée. Ça, c'était déjà. Ça aussi, ça aussi. Ça, non, mais comme... Je vais mettre un mur. Hop. Pour bien le voir. Donc, je pense que c'est les mêmes petites lumières. Ça doit être les mêmes lumières, mais à des, ouais, à des intervalles différents. Oui, donc là, j'ai pas clairement pas la place pour le mettre, donc je vais augmenter. Mais non, gne, gne, gne. Tu m'embêtes pour un mur. Voilà, carrément prendre le plus haut. Hein. Je vais repasser en mode fête de fin d'année. Voilà, et ça, c'était le grand. On va les mettre comme ça, ce sera plus joli. Voilà, donc 4 niveaux. Donc ça, on les avait déjà. Ceci aussi, ça aussi, le sapin également, ça également. Sapin. Cette lampe, ah oui, la décoration parfaite pour célébrer Diwali. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le nom de la fête. Et c'est tout mignon, c'est une petite lampe qui s'allume. Et ces bougies sont idéales pour être placées sur vos rangolis et favoris. Je ne sais pas ce que c'est des rangolis. Mais s'ils le disent, c'est encore des petites bougies en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Parce que je n'ai pas lu pour les autres tapis. Moi, je regarde directement par là. Donc, un motif de spirale évoquant là, des mélanges des poudres et des simples colorés. Colorés courants, pardon, dans les rangolis traditionnels. Ok. Si vous cherchez un motif floral traditionnel, optez pour les 5 modèles disponibles. Donc, apparemment, il y a 5 modèles. On regardera après. Disponible dans cette réplique de rangoli. Ajoutez ensuite les bougies au sol rangoli pour créer l'association visuelle parfaite. Ah oui, donc on peut prendre les... C'est ça en fait ce qu'on disait. On peut prendre les bougies et les mettre comme ça dessus. Et peut-être mettre celle-là là, enfin. Bon, on regardera après. J'en étais où? Parfait, donc ça c'était fait. Et toi, tu nous en dis quoi? Mise en valeur par des pastels floraux dynamiques. Les deux modèles de cette réplique de rangoli s'inspirent de la nature. Donc je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Donc ça, on les avait déjà. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc on a 3 tapis. Oui, donc 3 tapis.
Donc on a trois tapis, deux bougies et bah, les loupiottes au mur. Alors maintenant on va regarder, je suppose qu'il y a... Non, il n'y a pas plusieurs... Non, il n'y en a pas plusieurs. Alors ici, on a trois couleurs. Donc c'est toujours le même modèle, c'est juste la couleur qui change. Alors ici, ah, ici par contre, c'est là, on a... Oh, celui-là, il est beau. On a des couleurs, des motifs carrément dit qui changent. Et toi, tu as juste les couleurs... Ah non, tu as les motifs qui changent. Tu as deux motifs et... Tu as trois... deux motifs et trois couleurs par motif, en fait. Voilà. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, trois tapis, deux petites lampes par terre et les lampes murales à 1, 2, 3, 4, 4 couleurs différentes. Ben, c'est pas mal, écoutez. Je vais aller voir si on a par exemple des nouvelles portes. Apparemment, non. Des murs non plus. Des sols non plus. Des barrières qui sont non plus. Non, non, non. Des toits peut-être, non. Des cheminées non plus. Et bah fait, celui-là, on l'avait déjà. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tout. Donc là, il y avait rien. C'est vraiment au niveau de la construction même des objets. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir aussi quelque chose dans le sas. Donc, je vais passer directement au mode jeu avec Miss Taillette. Et par contre, pourquoi tu veux pas... Ah, je vais te réactiver le MC Command Center. Je fais une pause 2 secondes pour pouvoir passer en sas avec elle. Et donc, nous revoilà en mode sas avec elle. Donc, on va regarder immédiatement. Je vais déjà la déshabiller complètement. Voilà, parce que je voudrais vraiment voir tout ce qu'il y a. Ok. Ok, du coup, je vais passer, pareil, je vais filtrer par le pack de fin d'année. Ça va aller plus vite. Oups. Donc, tout ça, on les avait déjà. Ça, c'était rajouté l'année passée, je crois. Celui-là était déjà d'avant et celui-là vient de l'année passée. Et c'est pareil, il faut que je refasse tout ça pour tout le monde. Celle-là, on l'avait déjà. Par contre, celle-là, c'est une nouvelle. Vivi, 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 vivi. En plusieurs coloris. On peut voir le dos. C'est super stylé. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, j'ai oublié d'enlever le bracelet. J'adore vraiment, c'est super stylé. Il y a moyen de faire une super belle fête d'Adienne avec tout ça. Oh, cette couleur-là, elle est magnifique. C'est vraiment trop, trop beau. Alors, dans le bas, je suppose. Je pense en fait qu'il n'y a vraiment qu'une tenue complète. Non, il n'y a rien dans le bas. Dans les chaussures, peut-être. Sur une chaussure pour la avec non plus dans les accessoires. Donc, je fais vraiment tout parce que ah, celui-là est-ce qu'il est nouveau ou pas? Je crois bien que oui. Je crois bien que ce bracelet est nouveau. Oui, je ne l'avais jamais vu avant et il est super beau aussi. On va lui laisser. Voilà pourquoi je filtre vraiment tout. Donc l'autre, tout ça j'ai fait. On va aller voir maintenant en coiffure. Oula, j'ai cliqué à côté. Alors, on va de nouveau faire comme tantôt, filtrer. Ah ouais, trop beau. Oh my god, elle est super 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 belle. Je kiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Rapurée. Je suis trop fan. Par contre, ça demande qu'ils ont pas mis des chaussures pour aller avec. Dans les chapeaux, etc. Je sais pas. À mon avis, ils ont mis déjà des petites broches dans les cheveux. Non, ça, on les avait déjà l'année passée. Alors, dans les accessoires ici au-dessus. Non, il n'y a rien non plus. Et en maquillage, peut-être un maquillage typique. Je sais pas. Typique pour les hindous. Nope. Je suis quand même. Enfin, franchement, je suis méga fan. Par contre, je suis un peu déçue qu'il n'y a pas des chaussures. Assorti avec. Bon, pour la femme, c'est fait. On va passer maintenant à monsieur. Skim. Alors, non, par contre, ta bouille, ça va pas du tout. What is that? Ouais, c'est bon. Allez, hop, de toute façon, j'enlève tout. C'est juste pour tester, je compte pas le garder.
Zoup, 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 zoup. Ok. Bah, on va faire pareil. Donc, dans les dessus, bah, il n'y a rien de nouveau, en tout cas. Corps entier, ah, le voilà. Donc ça, c'était déjà cette tenue-là. Oh, j'adore le plissé du pantalon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est trop beau. Comment c'est stylé. Alors, pour le pantalon, je suppose qu'il n'y a rien non plus. Ben non. Dans les accessoires, oui, en fait, il y a le même bracelet que pour la femme. On va pas lui mettre lui. Et des chaussures, ben, il n'y a rien non plus. Alors, en coiffure, il n'y a pas de coiffure. Non, il n'y a pas de coiffure pour les hommes. Une barbe, peut-être. Un pack de fin d'année. Nope. Un chapeau. Non plus, on les avait déjà. Accessoires non plus. Et maquillage. Non plus. Bah, tu vas rester comme ça. Voilà. Et on va maintenant vous faire un petit garçon. Alors, on va commencer bah, avec toi. Ce sera très bien. Un enfant garçon, oui. Mais tout comme tes parents, mon chéri, tu vas te retrouver à poil. Jack. Alors, on va commencer par la version. On va d'abord regarder les sauts dessus. Donc, il n'y a pas de coiffure. Les chapeaux, bah, c'est pareil, ça date de l'année passée. Il n'y a pas non plus. Et il n'y a pas de maquillage. Donc, pour la tête, il n'y a rien. On va en habit. En dessus, non. En corps entier, il y a ça. Qui ressemble fortement à celui du papa, en fait. C'est trop, trop mignon aussi. Je sens que je vais me faire une petite famille d'ADM. Ça va être génial. C'est trop trop beau. Je suppose que dans les bas, il n'y a rien. Dans les accessoires non plus. Et dans les chaussures. Oh, par contre, ils ont des chaussures. Ah, par contre, ils ont des chaussures. Les petites babouches. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes pour les adultes? C'est trop nul qu'on les a pas pour les adultes. Parce que moi j'aime trop. Par contre, ils n'ont pas de coiffure non plus, les enfants. Enfin, du moins les garçons. Ouais. Merde, je l'ai aliénisé. Ah, c'est pas ça que je veux faire. J'arrête. Non, je veux pas un alien. Je veux refaire deux. Mais non. Je vais lui faire une jumelle, ce sera plus simple. Jouer avec la génétique. Alors, frère, sœur, jumelle aléatoire, ce sera très bien. Ok, mademoiselle, à toi de passer sous mon contrôle. Par contre, je vois déjà qu'il y a une coiffure. Une coiffure qui va déjà me plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, mademoiselle, par contre, je vais t'enlever ton collier. Alors, dans les cheveux, qu'est-ce que tu me proposes? Je sais que tu avais une coiffure. Oh mon Dieu, comme c'est trop beau. Elle est magnifique, cette coiffure. Cette coiffure est juste splendide. J'adore les habits qui nous sont rajoutés. C'est vraiment... On doit aller... j'ai oublié de regarder le reste avec ça. Je suis tellement prise par la... Oh, par contre, on a des boucles d'oreilles chez les enfants. On a des jolies petites boucles d'oreilles. C'est trop beau. Je vais lui laisser celle-là. J'arrête pas de me répéter. J'ai l'air gaga, j'en suis certaine. Alors, oh, la belle petite robe, celle-là. Je crois qu'on l'avait déjà. Oui, on l'avait déjà. Donc, c'est vraiment c'est juste celle-là. Alors. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Je vous montre toutes les couleurs. Alors, dans les bas, je suppose qu'il n'y a rien. Dans les accessoires, il n'y a rien non plus. On n'a pas les boucles d'oreilles. Et on n'a pas les chaussures. Si j'enlève le féminin, on a les babouches comme les garçons. Bon, je vais quand même les enlever parce que c'est pas prévu pour les filles, apparemment. C'est dommage parce que je trouve que ça peut aller très bien avec cette robe-là. Chez les bambins, je sais pas si on a quelque chose. Frère, sœur, par contre, je vais mettre un bambin. Voilà, juste un bambin comme ça. Je sais pas s'ils nous ont rajouté, s'ils ont pensé au bambin, j'espère que oui. Parce que eux aussi, ils ont le droit de fêter cette jolie petite fête. Il n'y a pas de raison. Bah, déjà en coiffure, c'est mal barré. Chapeau, c'est mal barré. Et il n'y a rien non plus. Alors, dans les hauts, il n'y a rien. Dans les tenues, il n'y a rien. Dans le bas, il n'y a rien.
Bon, bah clairement, il n'y a rien. Si je le change et que je le mets en fille. Je vais pas m'amuser. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vois pas pourquoi ils en auraient mis pour les filles et pas pour les garçons. Donc, à mon avis, il n'y a rien non plus. Il n'y a rien, donc je peux supprimer le bambin. Donc, on fait un petit récapitulatif. Donc, on a chez les femmes un bracelet, une jolie robe, une merveilleuse coiffure et pas de chaussures. Donc, une coiffure, une robe et un bracelet pour les dames. Chez les hommes, ben, on a juste la tenue. Ils ont la possibilité également d'avoir le bracelet parce qu'ils l'ont mis pour les deux. Chez les enfants, on a la tenue et les petites babouches. À chaque fois, ben, tout se décline en plusieurs couleurs, et bien sûr. Et chez les filles, on a les boucles de, cette boucle d'oreille et cette petite robe. Ah oui, cette coiffure. Que je trouve aussi super, super splendide. Ok. Donc, ben, je parle un peu de mon top et mon flop. Maintenant que j'ai regardé un peu tout. Donc, récapitulatif en mode achat. On a 3 tapis, 4 luminaires pour le mur et 2 luminaires pour le sol. Et dans le sas, donc pour les femmes, on a un bracelet, une robe, une coiffure. Chez les hommes, on a une tenue. Chez les garçons, une tenue et des babouches. Et chez les filles, on a boucle d'oreille, coiffure et robe. Donc le top, je vais commencer par le... Non, je vais commencer par le flop. Le flop, bah, pour moi, je trouve dommage qu'ils n'ont pas pensé aux bambins dans les tenues. Clairement, voilà. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve dommage aussi qu'ils ont mis les chaussures que pour les garçons, qu'il n'y a pas de chaussures pour les filles ni pour les adultes. C'est un peu dommage. Pareil pour les coiffures. J'aurais aimé une coiffure chez les garçons et chez les hommes. Bah, il n'y en a pas. Donc, ce qu'ils ont mis au mode ça, c'est super beau, mais je trouve qu'ils auraient pu pousser un peu plus loin, faire un peu équitable, parce qu'à chaque fois, les hommes, le sexe masculin et les bambins sont lésés. Mais ce n'est qu'un détail parce que je vais pas me plaindre, c'est une mise à jour gratuite, donc tout ce qu'on nous offre est bon à prendre. Du coup, ça me convient. Donc le top maintenant, bah déjà le top, je trouve super génial de pouvoir faire cette fête d'Ilaoui qui est, je trouve, assez belle parce que j'ai regardé un peu sur internet ce que c'était et je trouve ça que c'est, enfin l'idée est assez belle. Ça rend flou forcément bah, notre jeu. Vu qu'en plus c'est du gratuit, donc forcément on va pas se plaindre. Les couleurs elles sont magnifiques, je sais pas vous, mais moi ça, je trouve que ça rappelle et que ça se marie super bien avec l'additionnel Vivre Ensemble. On est vraiment dans le même style, dans les mêmes couleurs, enfin je trouve vraiment que ça va vraiment bien se marier. Donc pour mon ressenti final, ben, à part que j'aurais mis un petit peu plus, donc là les chaussures par exemple et les coiffures, surtout en mode sas et les bambins, à part ça, le reste je trouve... Voilà, rien à redire, quoi. C'est une mise à jour gratuite. Donc, je le redis, si vous n'avez pas encore pris le pack de fin d'année, enfin, je suppose que tout le monde l'a pris maintenant. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas, qui ne l'ont pas vu, ou je ne sais pas. Ben, je vous conseille nettement de le faire parce que, en plus de ce que je viens de vous montrer ici, il y a encore pas mal d'autres choses vu que ça a été étoffé depuis 2 ans. Et à mon avis, l'année prochaine, ils vont encore rajouter. Je suppose. Du coup, ben voilà, vous avez un peu mon ressenti, vous savez tout ce que cette mise à jour a apporté. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a déjà eu une mise à jour au mois de septembre qui nous a rapporté pas mal d'objets non plus. Donc moi j'ai envie de pousser un petit peu coup de gueule aussi, j'en profite contre les personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre que les Sims 4 viennent cher, que tout est payant, machin, bazar. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une société qui a besoin de faire des bénéfices. Donc pour moi, c'est normal qu'on paye pour avoir des extensions. Maintenant, si l'extension ne vous plaît pas, ben, on ne vous oblige pas à l'acheter. Si vous trouvez que c'est trop cher, on ne vous oblige pas à l'acheter. Donc il faut un peu arrêter aussi. Maintenant, je ne généralise pas tout le monde. Hein. Mais voilà, j'en ai un peu marre de voir partout que des gens qui se plaignent que c'est trop cher, qu'il n'y a rien dans les extensions. Ben, si ça ne vous plaît pas, si c'est trop cher, vous n'achetez pas. Point. Donc, enfin, voilà, quoi. Et cette mise à jour, ben, elle montre encore bien que EA Games, ils se foutent pas de notre gueule, parce que, clairement, depuis la sortie de Sims 4, faut quand même pas oublier qu'on a eu gratuitement les piscines, les demi-murs, la nounou, le réparateur, qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté d'autre ? Le clown triste, pas mal d'objets, donc, avec la mise à jour de l'année, du mois passé, cette mise à jour-ci,
On nous a rajouté gratuitement les bambins aussi, parce que pendant 2 ans, les gens, ils ont pleuré pour avoir les bambins, on nous les a mis, et maintenant, les gens, ils arrivent encore à râler. Donc moi, clairement, je comprends pas les gens. Enfin, voilà, donc ça, c'était mon petit coup de gueule. J'espère que ça vous dérangera pas. Donc, je pense que j'ai tout dit, je pense que je vais pouvoir vous laisser là sur cette vidéo. Si ben j'ai oublié quelque chose, parce que je vous dis, je l'ai vraiment fait à l'aveugle, vu que je voulais le découvrir par moi-même, donc peut-être que j'ai oublié quelque chose, je n'en sais rien, peut-être par exemple une nouvelle fête à découvrir, ou j'en sais rien, je ne sais pas, j'ai pas encore vraiment regardé. Donc si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça ben, je le verrai et les autres le verront aussi. Et ben voilà, ce sera pas mal. Donc moi, ben je vous dis à la prochaine, pour la suite de mes aventures sur YouTube. Et je vous dis bye bye!